Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver sur MySports pour un Pékin Goal spécial. Ce soir, on avait décidé évidemment de commencer les playoffs avec vous. Ça aurait dû être la première soirée des quarts de finale, Stéphane. Finalement, les playoffs pour l'instant sont suspendus, mais on va quand même vous parler de hockey sur glace, oui. Coronavirus ou pas. On est comme ça sur MySports. Exactement. Nous, voilà, quand on aime, on compte pas. On parle de hockey même quand il n'y en a pas. Avec nos invités, bien sûr, Marc Leuenberger et Doug Boulanger. Bonsoir, messieurs. Bonsoir, bonsoir. C'est une situation évidemment très particulière. Pour les joueurs, pour les clubs, pour les spectateurs, pour les fans, pour nous, pour les télévisions, bien sûr, qui vous proposons le hockey en direct. Pour vous aussi, Marc, je sais que toi, bah, j'ai envie de dire dans le privé, tu travailles pour une entreprise sponsor d'un club de National League. De plusieurs, ouais. Est-ce que, justement, en tant que sponsor, on met aussi la pression pour jouer? Non. La pression dans le verre, en général. Voilà, exactement, dans le verre. Non, on ne met pas la pression. C'est-à-dire que... comme dans tout contrat, il y a des contrats avec des primes, avec des bonus en cas d'atteinte de certains chiffres ou certains rangs. Donc la pression est liée de cette manière. Mais on ne peut pas entrer dans cette matière-là. Seul problème, c'est que pour nous aussi, c'est un manque à gagner, autant pour le club. Il y a du manque à gagner partout, manque à gagner peut-être pour les joueurs aussi. En tout cas, les joueurs, ils veulent jouer. Comment on les entretient? Comment on les maintient sous pression, Doug, pendant cette période? C'est sûr que... c'est ça. On l'envoie chez Sales Coach. Parce... Ouais, à Lausanne, sur les chercheurs, un Skills Coach, hein, je vous rappelle. Hein, oui, qui connaît bien un des futurs propriétaires, il paraît. Tu viens de parenté. Oui, petit. Pour les deux premières semaines, bah, c'est un peu compliqué de les garder tous ensemble. Tu essaies de team building, les entraînements, peut-être un ou deux jours de congé, mais après, il ne faudrait pas que ça dure plus longtemps parce que ça va être compliqué de garder les gars. Ouais. On ne saura plus quoi faire. Hein. C'est ça. Ils partiront en pique-nique, aller faire un petit tour à Quasplash. Bref, il va falloir trouver des solutions, évidemment, pour entretenir ces joueurs. Mais la situation est en train d'évoluer. On va faire un retour en arrière, Stéphane. On va se rendre lundi. Lundi, c'était la réunion des clubs, réunion de la Ligue. Ensuite, il y a eu une conférence de presse avec Denis Vaucher qui a expliqué finalement que la décision était de suspendre pour l'instant le championnat et de se baser sur ce que disait le Conseil fédéral. On va l'écouter et on réagit juste après. Je crois de ne pas jouer des matchs au huis clos parce que sans les fans, c'est terrible. J'étais à Berne, à Lugano, les deux matchs, voir là. Et pour nous, c'était vraiment pénible, c'était vraiment triste de ne pas avoir les fans. C'est un grand problème pour le club. Ils ont les coûts, mais pas les entrées. Alors ça veut dire qu'on ne peut pas continuer à jouer à huis clos, sinon on a des pertes incroyables. Alors ça, c'était le son de cloche. Lundi, ça, grosso modo, on a décidé de rien décider tout de suite. On a repoussé dans le temps, exactement. On a dit on attend de voir, ben, avec raison, parce qu'on ne savait pas trop la législation du Conseil fédéral. Et là, je trouve que sous le couvert de la raison, dans son discours, on a parlé avec les émotions. Jouer dans des patinoires vides, ça va pas, le hockey c'est devant des spectateurs, etc. Là, on a parlé avec les émotions. Ensuite, cette semaine, là, tout à coup, on commence à parler avec la raison. Alors, on va y revenir évidemment sur la raison, mais c'est logique finalement, Marc Leuenberger, de se calquer sur le discours, on va dire, du Conseil fédéral. On ne va pas aller à l'encontre de ça, de toute façon, on n'a pas le choix. Par contre, est-ce que l'argumentaire de dire on ne va pas jouer tous les play-offs à huis clos comme le week-end passé, est-ce que ce n'était pas le mauvais argumentaire pour justifier finalement qu'on suspendait le championnat? Ouais, comme l'a dit Stéphane, c'est vrai que la décision qui a été prise vendredi passé, donc elle doit être absolument mise activement en place. La chance, c'est qu'il n'y avait que deux matchs. Donc, il fallait finir le championnat, ça a été fait. Très bien fait. Maintenant, lundi, la décision de... comme elle a été communiquée, de ne pas vouloir jouer à huis clos ou pas vouloir faire ci ou attendre. Maintenant, c'est le temps des solutions. Qu'on doit trouver les solutions, quelle est la manière la plus adéquate ou celle qui fera le moins de dégâts pour finir, en fin de compte, cette saison et pas arrêter parce qu'il y a des manques à gagner pour les clubs, les joueurs, il y a des sponsors, il y a des chaînes télé, hein, donc il y a tout. Entre autres, oui. Entre autres. On parle des clubs, messieurs. On est allé évidemment cette semaine aller taper la porte chez les clubs romands et notamment du côté de Fribourg-Gotteron. On va écouter les réactions du directeur général, Raphaël Berger, juste après. Hein, c'était lundi après-midi, juste véritablement après la décision de la Ligue. Puis on écoutera la réaction aussi de
Kylian Motet mardi, qui nous explique un peu ce que font les joueurs au niveau de l'hygiène, on va dire, entre eux, et puis aussi à la réaction de Julien Sprunger sur le fait de jouer ou pas à huis clos. On écoute. On a parlé de beaucoup de choses, mais ce qu'il faut retenir aujourd'hui, c'est qu'on est calé sur ce calendrier de la Confédération qui donne ce 15 mars comme deadline jusqu'à présent. Donc si cela devait changer, on devrait se réunir à nouveau pour décider des divers scénarios possibles et imaginables pour la suite. Mais actuellement, tous les clubs donc, se préparent pour redémarrer le 17. On nous dit de se laver les mains, de faire attention un peu à beaucoup de choses, mais je ne pense pas qu'on en est arrivé encore au masque et à tout ça. Mais voilà, il faut faire attention, on se dit salut différemment. Donc voilà. Les huis clos, on ne connaissait pas vraiment avant les matchs, les deux derniers matchs de la saison. On a eu ce match à Berne qui était quand même assez intense, où on avait besoin d'un point, qu'on a joué vraiment à fond. Le match contre Genève, c'était un peu différent. C'était le premier match de nous depuis des mois qu'on n'avait pas de pression, pas de public, pas de pression. C'était un match un peu bizarre. Je pense que c'est différent. C'est clair que le public fait partie du hockey. Ça apporte des émotions, ça apporte de l'ambiance. Et puis, se faire à la maison extérieure, c'est toujours important d'avoir des gens. Donc, ça serait très triste, je pense, d'avoir des playoffs sans public. Maintenant, comme vous l'avez dit, la décision ne nous appartient pas. Ça va être décidé et puis on fera en conséquence. Propos un peu plus nuancés finalement, hein, Doug Boulanger. Là, on est quoi, mardi, mercredi, à peu près, comme ça. Voilà, les réactions des joueurs qui disent que ce serait dommage, mais... Ouais, je pense que les émotions ont dû retomber. Puis là, les gars commencent à réaliser qu'ils ne veulent pas passer à côté de leur play-off. De tous les joueurs avec qui j'ai eu la chance de parler cette semaine, ils m'ont tous dit la même chose. Ils m'ont dit... On veut bien sûr jouer. Si c'est devant 1000 personnes, ce sera devant 1000 personnes, mais on ne veut pas laisser tomber le championnat à l'eau. Ça fait aucun sens. Alors, comment on prend justement la situation, notamment du côté de Genève-Servette? On va écouter tout d'abord Pat Aymon qui nous parle de deux aspects, selon lui, hein, dans cette situation. Et puis, on écoutera ensuite le capitaine Noah Rod. C'était une interview qu'on a réalisée vendredi. Écoutez. Il y a un aspect financier et puis un aspect sportif. Moi, j'ai pas de contrôle sur l'aspect financier. Par contre, en tant qu'entraîneur au niveau sportif, compétition, et puis quand on parle uniquement de sport, c'est sûr que les joueurs voudraient jouer absolument ce play-off-là. Alors, en tant que joueur, c'est clair qu'on espère jouer les play-offs avec du public, surtout que c'est ce qui fait la beauté des play-offs. Je pense qu'un match de hockey sans spectateur, c'est un peu difficile et puis ça gâche le plaisir de tout le monde. J'ai cru entendre qu'il y a de fortes chances que ça reprenne, donc c'est clair que ça leur motive et on fait ce qu'on peut à l'entraînement pour garder le rythme. Un capitaine de club qui dit à la télévision, devant une caméra, qu'il y a fortes chances pour que ça reprenne, c'est que, un, ça discute beaucoup, de toute façon. Mes oreilles ont entendu la même chose. Ouais, mais quand ça discute, en général, Stéphane, tu m'arrêteras si je me trompe, ça veut dire que c'est comme un... Pas de fumée sans feu. Voilà, c'est ça. Le discours, moi, je pense qu'au fur et à mesure de la semaine, il y avait un pourcentage de plus en plus élevé que ça se joue. Plus la semaine avançait, plus les gens revenaient à la raison. Il y a eu des rencontres en coulisses, etc. Et les clubs, peut-être, que se disent, finalement, ce serait la moins pire des solutions de jouer. Il y aura toujours une réunion de la Ligue. À huis clos, oui. À huis clos, bien sûr. Ouais. Mais du coup, il y aura une réunion de la Ligue, normalement, la semaine prochaine, hein, oui. À la suite de celle du Conseil fédéral. Ça devrait se jouer là-dessus. Il y a eu plusieurs scénarios qui ont été exposés si on déplaçait le calendrier, différentes formules, réduire les séries, etc. Ouais. etc. Mais franchement, messieurs, la décision, elle doit tomber, Marc, finalement, en fin de semaine prochaine. On ne peut pas rejouer la montre une deuxième fois. Non, absolument pas. Ils doivent prendre la décision parce que y a tout ce qui est économique, ils savent très bien que les risques qu'il y a si ça ne joue pas, premièrement, ça serait un champion suisse qui serait décidé sur qui, sur quoi, sur quels critères, ça serait un champion suisse, je dirais, de deuxième catégorie, en tout cas au hockey, c'est comme ça. Et après, qu'est-ce qu'on va faire pour le temps? Parce qu'ils sont en vacances, qu'est-ce qu'on fait? Ils sont payés pour des play-offs, les joueurs. Il y a des contrats, il y a des primes, il y a tout. Ça. Ils sont obligés de reprendre. Soit on perd sur les deux tableaux, soit on perd que sur un tableau, finalement. Donc, si je résume un peu de choses. Ah, ça, c'est certain. Bref, à la fin, je pense que les joueurs veulent jouer. Puis, quand on regarde un match de hockey à la télé, on veut regarder le sport. Moi, je pense que c'est le côté sportif qui prime. Quand on regarde le match, que ce soit en NHL, que ce soit en KHL ou que ce soit à la Ligue suisse, on veut la beauté du sport, on veut regarder un match de hockey. Puis, on fait abstraction. Puis, je pense que c'est tout ce qui est autour. Les spectateurs, les sponsors et tout ça est très, très important. Mais à la fin, je pense qu'il faut avoir le respect du sport puis jouer
championnat jusqu'au bout. Parce que les spectateurs ne se limitent pas simplement aux 5, 6, 7, 8 000 ou parfois 16, 17 000 à Berne qui sont dans la patinoire. C'est beaucoup plus large que ça. Les gens suivent les playoffs. Il y a des milliers de personnes, des dizaines de milliers de personnes qui suivent les playoffs, même s'ils ne vont pas dans les patinoires. Et si on les présente à la télévision, ils pourront tout de toute façon les suivre. Et on comprend bien que c'est dévastateur au niveau financier pour les clubs d'avoir personne dans la patinoire, mais à la fin, je pense que le côté sportif, il faut qu'il prime. Messieurs, il y a un aspect dont on n'a pas encore parlé, un cas de figure, c'est si un joueur ou un membre du personnel du staff, par exemple, venait à être contaminé à son tour par un coronavirus, par le coronavirus. On allait tendre notre micro du côté de Zoug, au médecin du club. On va écouter justement Beat Fegler sur ce propos. Vor allem aber problematisch ist, wenn ein Spieler sich ansteckt, weil da werden wir nicht mehr viel sagen können. Da werden die Behörden müssen einschreiten und die werden uns natürlich sagen, so wie wir es im Moment von einer Schulklasse in Luzern kennen, der Rest von diesen Menschen, der sehr nah und sehr lang mit dem zusammen in der gleichen Kabine war, der gibt es eine Quarantäne für die ganze Mannschaft. Also sie müssen daheim bleiben, voraussichtlich, und warten, bis das Ganze abgesessen ist. Und das kann zwei Wochen dauern. Alors ça, bien sûr, messieurs, Stéphane, c'est l'épée de Damoclès au-dessus de la tête des clubs et puis j'ai envie de dire de la Ligue aussi. Bien évidemment, si on décide de jouer même à huis clos, tout ça, bon, parfait. Mais s'il y a des gens qui sont de près ou de loin reliés au club qui sont infectés, là, je pense que cela, ça va être compliqué. Ça va être très compliqué. On devra s'ajuster. Est-ce qu'on retire simplement une équipe ou tout le monde ou on arrête simplement toutes les activités? Donc, ça a été assez clair dans les premiers... Dans les premières discussions, la Ligue avait annoncé que si un joueur ou une personne proche d'un club était infecté par le virus, c'était fini, terminé, on arrêtait. Ça, c'était en première instance, on avait déjà dit ça avant que ça arrive. Alors maintenant, ça va être difficile de continuer les activités si ça arrive, effectivement. Et en plus, on rappelle que les cantons sont entre guillemets souverains. Hein, ils peuvent décider des restrictions encore supérieures selon les restrictions. Certains cantons, on est rendu à 250 spectateurs ou 125 même dans certains cantons. Puis les gens doivent être fichés, remplir des formulaires, etc. Moi, j'ai été voir un match de Junior Elite mercredi à Berne. Mmh. Et à l'entrée, on devait remplir une fiche en disant qu'on n'avait pas ci, on n'avait pas de fièvre, etc. Notre nom, notre adresse, numéro de téléphone. Et si je ne me trompe pas, les playoffs Junior Elite, Novice Elite à Zoug, ils sont à huis clos. Pas de spectateurs. Oui, il y a beaucoup de compétitions, etc., qui vont changer. Mais c'est vrai que si ça arrive, ils seront confrontés à une nouvelle décision, on va dire. On va retirer l'équipe. Est-ce que l'autre va gagner sur tapis vert sa place en demi-finale ou en finale, ou même un titre? Parce que ça peut arriver en finale. Oui. Et c'est même encore plus problématique. Parce qu'à ce moment-là, vous dites, voilà, vous gagnez le titre sur tapis vert. Messieurs, on verra ça, ça c'est de la musique d'avenir. Parlons d'avenir, justement. Faisons comme si, Stéphane, parce que nous, on est particulièrement optimistes. On l'a dit, on l'a entendu un peu comme Harold, de dire que il y a de fortes chances pour que ça reprenne. Ouais. On va parler de play-off maintenant, deuxième grosse partie dans l'émission. On va parler des play-offs de Swiss League. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'à Swiss League, ils ont déjà disputé les quarts de finale. Hein, ils attaqueraient, eux, les demi-finales. Et on va revenir sur ces quatre séries en commençant par le premier contre le huitième. C'était Kloten contre les Getseka, il y avait trois derbies quand même. Et Kloten, ils se sont qualifiés, mais tout n'a pas été ça. Regardez en haut, vous avez les résultats. Évidemment, en cinq matchs, ça a l'air facile, mais regardez, c'était 1-1 après deux matchs. Et Kloten a remporté le troisième match en prolongation 4-3 et ensuite, ça a tourné, regardez, 6-1 et 3-2. Il y a une bagarre de gardiens. Les gardiens de Kloten, Niffler, a été encore une fois étincelant. Regardez, c'est du 91,9. Les tirs au but, parfois tôt, 34-24 en moyenne par match en faveur de Kloten, donc bonne domination. Et regardez la moyenne d'âge dans cette série. On avait un farm team, Getseka Lions, qui aligne quand même des joueurs plus âgés, 22 ans de moyenne d'âge contre 26 pour Kloten. Kloten, qui est l'équipe la plus expérimentée de cette Swiss League. Kloten à la peine. Un club de Kloten, peut-être, Marc-Leon Berger, qui peine à assumer son statut de favori. Ou en tout cas, qu'on aurait pu voir peut-être ou vu plus dominateur dans cette série. On aurait pu le voir comme ça, en tout cas, contre Getse. Mais bon, c'est un derby. Ceux de Getse veulent montrer qu'ils sont aussi bons que ceux de Kloten, parce que c'est quand même l'antichambre. Ouais. Voilà. Moi, Kloten, je pense qu'il y a eu de gros dégâts lorsqu'ils ont été relégués. Il y a eu de gros dégâts au niveau de la structure, du management et tout. Au niveau sportif aussi, hein, donc même au mouvement junior, c'est très compliqué. Plus que c'était. Et même si elle a les noms et tout, ça passe pas comme ça. Là, ils ont vraiment reçu un gros coup.
Et le président actuel a dit qu'il voulait prendre 2 à 3 ans pour remonter, que ce n'était pas prévu de remonter directement. Il fallait remettre la maison en ordre et puis restructurer pour refaire un club qui monte ensemble, aussi avec le mouvement junior. À voir ce que ça va donner évidemment pour la suite pour Kloten. Ensuite, deuxième quart de finale qui nous a particulièrement tenu en haleine, évidemment, en Suisse romande. C'est le derby entre Ajoie et Chaux-de-Fonds, Stéphane. Un coup aussi, Thierry, qui s'est terminé en 5 matchs. Vous le voyez, ultimement, ça a été facile. On a marqué 27 buts du côté d'Ajoie. Duel de gardien, Wolf, ancien gardien de la Chaux-de-Fonds, a été très bon, 93%. Ritz, ça a été un peu plus compliqué, du 84%. 5,4 buts marqués en moyenne par match contre 2,4. Les pourcentages, beaucoup de réussite devant la cage pour Ajoie, 15,2. Évidemment, ça va être la moyenne du gardien. Seulement 7% pour la Chaux-de-Fonds. DeVos a été le meilleur marqueur de son équipe avec 9 points. Et Kaufmann, l'étranger de la Chaux-de-Fonds, aussi, comme en saison régulière, a été le meilleur pointeur de son équipe. Double, il n'y a pas eu de miracle. Chaux-de-Fonds a connu une saison très, très compliquée. L'apport d'Arnaud Delcourteau n'aura pas suffi à créer le miracle, peut-être dans cette série où Ajoie était encore au-dessus. Non, et malheureusement, Chaux-de-Fonds, c'est les débuts de match ont coûté cher dans cette série. Les deux premiers matchs de la série, ils ont réussi à limiter les unités spéciales d'Ajoie à 0, donc le powerplay d'Ajoie ne fonctionnait pas. À partir du troisième match, Ajoie a retrouvé son powerplay. Les matchs ont continué à tourner. Je pense que Ajoie était largement au-dessus. Là, plus que la série avançait, plus que ça devenait compliqué pour Chaux-de-Fonds de tenir le rythme. Troisième derby de ces quarts de finale, la série entre Holton et Langenthal. Et là, Stéphane, c'est la surprise. C'est la surprise. Écoutez, moi, j'étais au premier match et tous les gens dans l'entourage de Langenthal disaient qu'ils n'avaient aucune chance, mais ils ont surpris Holton, encore une fois, regardez, devant les buts, c'est à peu près la même chose. Regardez, 90 et 89. Regardez les chiffres en power play à l'avantage, évidemment, d'Holton, 22 et 85 %. Donc, ce n'est pas les unités spéciales qui ont fait la différence parce que Langenthal était en dessous nettement d'Holton. Un joueur qui a spécialement été en valeur, il s'est mis en avant du côté de Langenthal, c'est Kung, qui a récolté 10 assists en 5 matchs. Alors qu'il en avait réussi, il en avait fait 17 en 41 matchs en championnat. Holton, c'est la déception quand même, Marc Lindberger, de ses playoffs. C'est la déception. C'était aussi une des équipes qui était, je dirais, candidate au titre de la Ligue. C'est quand même aussi une équipe qui est gentiment vieillissante. Langenthal, c'est un derby. Langenthal, c'est des crocheurs. Ils ont quelques bons jeunes joueurs. Et c'est peut-être ça la différence. Ils étaient peut-être un peu plus frais ou en voulaient un peu plus. Holton peut-être un peu plus posé. Puis se disait, voilà, on continue comme on a l'habitude. Et on se fait prendre. Bien, pour avoir assisté à la fin du championnat, Holton s'était fait accrocher par Getseka Lions. Ça avait été compliqué. Ça n'a pas manqué dans les playoffs, ça leur fait mal. Une équipe de playoffs, Langenthal, messieurs. On verra ce que ça va donner. On va en parler des demi-finales. Dernière série entre Viège et Thurgovie. C'était sur le papier censé être la série la plus serrée, parce que c'est le quatrième contre le cinquième. Ça tournait quand même à l'avantage des Viégeois, Stéphane, dans cette série. Oui, 2 matchs en prolongation tout de même, 2 victoires de Viège en prolongation. Et là, c'est vraiment Reto Lauri, le gardien de Viège, qui a été transcendant. Regardez sa moyenne, 95,4, moins d'un 1,27 buts accordés par match. En saison régulière, elle avait été excellent aussi, Reto Lauri. Les gardiens n'ont pas démérité du côté de Thurgovie. 0 but marqué en power play pour Viège. Ils ont gagné 4 matchs quand même, comme quoi les power play, toutes les théories qu'on fait, ils tombent à l'eau. C'était du 20% du côté de Thurgovie. Et les meilleurs joueurs, c'est 2 joueurs qui n'ont pas été transcendants durant l'année. Ce n'étaient pas les meilleurs marqueurs de leur équipe. Bourganer et Merola ont été les joueurs qui ont obtenu le plus de points. Donc, ce ne sont pas les étrangers, franchement, qui ont fait la différence sur l'ensemble de la série. En tout cas, pour l'entraîneur viégeois, c'est facile de boulanger, pour motiver ses joueurs et travailler quelque chose là, depuis 15 jours. Je pense que le power play est tout en haut de la liste. Je pense que les unités spéciales sont clairement ce qu'ils veulent travailler. C'est incroyable, 0% en power play. Ouais, c'est une statistique qui fait mal. Donc, ils ont réussi à faire le job. Donc, défensivement, je pense qu'ils ont tenu la route. Mais c'est une série, malheureusement, que je n'ai pas beaucoup suivie. Mais 0%, c'est misérable. Quoi. C'est misérable. Puis pour l'autre équipe, tu dois te dire que tu es battu en 5 parties. Tu n'as pas accordé un seul but en infériorité numérique. Pas évident non plus, tu te dirais, t'as fait le job. Sur une courte période. D'un autre côté, on voit un gardien qui est en feu puis qui a peut-être volé des matchs à lui aussi. Donc ça, c'est à prendre en compte. C'est le gardien en play-off. Si le gars est en mission,
cette équipe-là. Et ça, c'est Ajoie qui va les rencontrer. On va en parler, justement. Ben exactement. On place aux demi-finales, messieurs. On va parler de ces demi en commençant par Kloten Langenthal, justement. Ah, ah, le gros test, peut-être, pour Kloten dans cette série. Kloten qui s'est imposé trois fois hein, lors de la saison régulière. Oui, Kloten qui s'est imposé. Là, au niveau des gardiens, ben, ça se ressemble beaucoup. 92-91,9. Ça va être très, très chaud. Au niveau des unités spéciales, ben, du côté de Kloten, c'est presque du 20-20, 24% presque. Une fois sur quatre, c'est énorme. Un petit peu moins bon du côté de Langenthal. Et en infériorité numérique, c'est du kiff-kiff à 1% près. Les meilleurs joueurs, Éric Fay, le Québécois du côté de Kloten, a connu une excellente saison. Regardez, ses 69 points. Il a terminé troisième marqueur de la Ligue derrière DeVos et Hazen, qui sont tout le temps les deux premiers. Donc, ça devient lassant au bout d'un moment. Et Andrew Clark a été le meilleur du côté de Langenthal avec 44 matchs et 46 points. Donc, moins de joueurs ultra dominants du côté de Langenthal. Mais je rappelle qu'on a un bon gardien de talent du côté de Langenthal qui a fait le malheur de la chaude fond en finale l'année passée, le jeune Wüthrich. Il est incroyable. Grosso modo, messieurs, Doug, il nous refait le même coup cette année, Wüthrich? Ben écoutez, je pense que c'est possible. Donc, peut-être souligner aussi du côté de Kloten, le petit Marco Lehmann a connu une bonne série. Oui, marqueur de son équipe. Très bonne série. C'est un petit joueur très rapide avec beaucoup de skills. Franchement, il a été très beau à voir jouer dans cette première ronde de playoff. Oui. Mais là, Langenthal, on a dans ces demi-finales, on va parler de l'autre, là. On a deux clubs qui peuvent monter, hein, entre guillemets. On a Kloten et Viège. Puis on a deux clubs, Ajoie et Langenthal. Voilà. Grosso modo, de nouveau, on pourrait avoir une finale, Marc, entre deux clubs qui finalement joueraient que le titre. Exactement. C'est possible. Absolument. Et on connaît la qualité d'Ajoie. C'est aussi une équipe qui peut jouer des playoffs jusqu'au bout. Oui. Ils sont capables. Oui. Et Langenthal aussi. Les deux ont déjà été, comme on dit, champions suisses de Ligue B. Ils connaissent, ils savent, ils ont les qualités pas tout à fait identiques les deux. Pour moi, Langenthal est certainement plus équilibré au niveau des blocs. Ouais. Mais un Kloten, contre, ça va être compliqué parce qu'ils ont une bonne équipe, mais elle n'est pas aussi solide que ça. Mm-hmm. À voir ce que ça va donner. Autre demi-finale, messieurs, bah, on vient de l'évoquer évidemment entre Ajoie et Viège. Sur le papier, Stéphane, c'est du kiff-kiff au niveau des confrontations lors de la saison régulière. Oui, c'est du kiff-kiff. Et Hazen et DeVos n'ont pas cartonné contre Viège, qui est une équipe solide défensivement. Au niveau des gardiens, ben, Laurie a été excellent. C'est un avantage, léger avantage à Viège. Au niveau du powerplay, 24%, on l'a dit, Ajoie, c'est énorme en saison régulière. Mais regardez l'infériorité numérique. Le box-play de Viège, c'est du 90,4%. Ça, c'est en saison régulière. C'est astronomique, c'est hors norme, c'est exceptionnel. Du nombre de matchs. Écoutez, c'est incroyable. Et DeVos, évidemment, le meilleur marqueur de cette équipe-là avec 98 points. Il a crevé au poteau, Philippe Michael DeVos. Il n'a pas obtenu ses 100 points, mais il a fait une saison encore une fois remarquable. 68 assists. C'est juste phénoménal. Et Troy Joseph, du côté de Viège et l'étranger, qui a eu capté, c'est lui a fini meilleur marqueur de l'équipe. Et moi, j'ai assisté à quelques matchs de Viège cette saison. Les étrangers de Viège sont surutilisés. On pense qu'on parle que DeVos et Hazen jouent beaucoup. On parle d'un peu plus de 20 minutes par match pour eux, peut-être entre 20 et 25. Et du côté de Viège, c'est juste... Les trois matchs que j'ai vus cette année, les gars, je pense qu'ils ont joué passé 25 minutes. C'est incroyable. Au niveau de Viège, peut-être ce qui va être pas mal à regarder, c'est au niveau du box-play. En play-off, d'avoir un box-play qui fonctionne, ça peut casser le momentum, ça peut faire mal. Ça, c'est souvent des choses qui peuvent faire tourner une série. Puis d'un autre côté, Ajoie a perdu deux gros morceaux, donc j'ai hâte de voir si le temps va... Jordan Howard en défense. Donc ça aussi, c'est pas négligeable. Lui, il jouait des grosses minutes, donc j'ai hâte de voir comment ils vont compenser. Il joue aussi sur le power play, Jordan Howard. Hein. C'est lui qui a la pointe souvent sur le power play avec Hazen et DeVos. Un joueur très, très important, le fils du président. Je suis entièrement d'accord avec vous, messieurs, mais Marc Lemberry, après la victoire en couple, c'est que du bonus pour Ajoie. C'est pas comme s'il cherchait un titre de Swiss League depuis 20 ans en arrière, etc. Ou qu'il voulait. Ils l'ont gagné il n'y a pas si longtemps que ça. Je veux dire, à mon avis, c'est une des équipes qui a le moins de pression là, en ce moment. Oh, absolument, c'est l'équipe qui a le moins de pression, parce que c'est vrai que ce titre de champion suisse, à la différence de titre de champion de Ligue B, le champion de la Coupe, ça donne du cash. Là, c'est les spectateurs. Et puis, vu qu'on ne sait pas s'il y aura des spectateurs, donc c'est eux qui ont le moins de pression. Ouais. Ils ont fait leur objectif, ils ont ramené la Coupe suisse, et maintenant, ils vont aller le plus loin possible.
Et puis leur saison, de toute façon, elle est parfaite. Et tant qu'il y a le duo d'étrangers, évidemment, qui est sur la glace, ils peuvent gagner n'importe quel match. Ouais, ce que ça donne. Demandez à Christian Wolmen s'il s'en rappelle encore. De vous dire. Courte pause, messieurs. Et puis on va se retrouver d'ici quelques instants. On parlera de la vie privée des mascottes. Que font les mascottes? Eh bien oui, en ce moment, pendant cette période d'attente, on parlera aussi de l'équipe type de MySports de la saison régulière de National League. Stéphane qui a travaillé, vous pensez bien, hein, pendant ces quelques jours. Puis on évoquera bien sûr les quarts de finale de play-off de National League. Ne bougez pas, on se retrouve d'ici quelques instants. De retour au plateau, on parle de hockey sur glace d'ici quelques instants avec nos invités Marc Leuenberger, Doug Boulanger, des quarts de finale de National League. Mais avant cela, petite pause messieurs, on va parler des mascottes. Que font justement les mascottes pendant cette période un petit peu d'incertitude, cette période calme? Tout le monde attendait ce moment. Mais avec impatience. Oui. Non. Tu sais ce qu'elles font toi? Les huit mascottes, là, des huit clubs qualifiés pour les play-offs, qui attendent avec impatience. J'ai une petite idée sur certains, mais les autres... Regardez cet épisode, la vie privée des mascottes. Que font-elles justement pendant cette période? Et puis on se retrouve juste après, tout de suite. Quel talent, et la vie privée des mascottes, si play-off il y a, bien sûr, on croise les doigts, vous allez les retrouver, justement, et vous allez retrouver cette vie privée. Est-ce qu'elles ont le droit, les mascottes, d'accéder à la patinoire en cas de huis clos? Oui. Ça compte pour un spectateur? Une mascotte? Oui. Ben, c'est comme un placeur, t'as besoin d'un placeur, t'as besoin de quelqu'un pour ouvrir la porte, celui qui fait la roll-by, il est bien là. Ouais. T'as d'autres questions? En NHL aussi, ben, ils finissent dans les goals, les gars de la roll-by, en NHL. C'est pas la grippe aviaire, c'est le coronavirus, Stéphane. Elle risque pas grand-chose, les mascottes. La grippe aviaire, oui. Allez, messieurs, on va parler maintenant de l'équipe type. En effet, exit la saison régulière. On a voulu revenir, Stéphane, sur notre 5 de base, 2-5 de base. Enfin, deux lignes. On va dire qu'ils ont véritablement dominé les débats. Bien évidemment, dans les buts incontournables, Tobias Stefan, qui a connu encore une fois une saison remarquable, saison régulière. Reto Berra a été transcendant. Les crescendo ont été bons en fin de championnat. En défense, à la défense gauche, on a mis Gunderson et Tom Ernest, deux étrangers, deux joueurs offensifs. On a choisi beaucoup de joueurs offensifs, évidemment. Les statistiques y sont pour beaucoup. Noro, 39 points, une quinzaine en power play, défenseur droitier. Et Egli, ça, c'est une révélation. Une trentaine de points aussi, 36 ou 37 points. En attaque, à l'aile gauche, on a mis Gregory Hoffman, évidemment, et Pius Suter. Pius Suter qui a marqué 30 buts, Hoffman 24. Garrett Rowe, incontournable, a été un homme clé, évidemment, du côté de Zurich, a fait partie de la transformation de cette équipe-là cette année. Une équipe vraiment offensive qui joue vite. Lindgren, du côté de Davos, il fallait mettre un joueur de Davos, ils nous ont surpris, ils ont été excellents cette année. Lindgren, c'est un joueur qui joue dans les deux centres de la patinoire, plus 15, une quarantaine de points. 15 assists en power play cette année, messieurs, seulement ça. Rayala, évidemment, on l'a mis à l'aile droite, il fallait le mettre quelque part. Rayala, il joue à gauche, parfois à droite. Clark aussi, Clark a marqué beaucoup de buts cette année, beaucoup de buts de l'enclave. Petit gabarit, il est là, il ramasse tout. Beaucoup de garbage, un respirateur devant le but. Et puis, nos deux entraîneurs de l'année, bien évidemment, c'était des choix faciles. Patrick Aymond et Christian Wolven, qui sont des entraîneurs recrues avec de jeunes équipes qu'on n'attendait pas là. Ils ont fait des miracles. Bon, messieurs, d'accord avec cette sélection? Ou bien, au niveau de l'entraîneur, on aurait mis du mettre Christian Dubé?
Ça aurait été un bon choix. Je pense que Christian a fait de l'excellent job avec M. Rosa puis M. Simpson. Pardon. Et peut-être une mention honorable aussi à un joueur comme Harri Pesonen, qui a eu, j'ai trouvé qu'il a eu une bonne saison aussi de ce côté-là au niveau offensif. Donc, il a été surprenant avec Langnau, qui n'a pas eu non plus une grosse saison par moment. Donc, lui, il fait ses points année après année, puis c'est un des bons étrangers de championnat. Marc, il y a trois joueurs des DLC Lions dans notre double ligne, on va dire. Il y a deux joueurs de Rapperswil quand même. D'accord avec cette sélection? C'est toujours un débat. Hein. On peut dire celui-là, celui-là. Chacun faut choisir. Après, si on regarde, est-ce qu'on préfère plutôt un qui va travailler qu'offensivement, s'il y en a un qui est dans les deux sens, il fera peut-être moins de points. Mais c'est assez juste. Clark, c'est vrai... Il est là, il fait, il est, comme on dit, hein, il va faire les garbage goals et puis il va devant le but. Il est turbulent, donc c'est un des joueurs qui a été le plus en vue à Rapperswil. Egli, j'en suis. Alors absolument, c'est la révélation pour moi. Alors depuis le début de saison, et il a continué. Hein. Donc maintenant, Hoffman sous terre, Hoffman très très bon au début de saison, puis là ça s'est un peu calmé. Et est-ce qu'on aurait aussi pu mettre Hiller? Hiller, il est quand même pour beaucoup de cette saison stable de Bienne. Un Wingles puis un Winnick à Genève qui ont fait des très grosses saisons aussi. Mais c'est, en fait, on aurait dû mettre quatre lignes. C'est ça. Oui, on pourrait mettre quatre lignes. Mais c'est vrai, je pense qu'il ne faut pas tellement regarder l'équipe, il faut regarder le style de joueur et puis... les résultats. Voilà, il y a plein d'autres joueurs, évidemment, qui auraient pu être mis là-dedans. On a mis des joueurs qu'on pensait qui ont eu une utilité très particulière pour leur équipe. Mais je crois que donc, niveau révélation, Egli, je pense qu'on est tous d'accord pour mettre une coche à ce niveau-là. Ouais. Messieurs, on va parler maintenant de National League. Ben, tiens, justement, des quarts de finale qui pourraient débuter, on croise les doigts tout bientôt. On va passer notre tour d'horizon avec la première série. Enfin, d'abord, le tableau. Hein. Zurich qui affrontera Lugano, Zoug qui affrontera Gotteron, Davos face à Lausanne. Et puis, le match qu'on va scruter, qu'on attend beaucoup, bien sûr, le duel entre Genève Servette et Bienne. On va détailler ces quarts de finale en commençant par la série entre Davos et Lausanne. Et Stéphane, aux surprises, Davos a largement l'avantage dans les confrontations lors de la saison régulière. 4 victoires, aucune défaite. Donc, ils ont vraiment le numéro du LHC cette année. Et ce ne sera pas, regardez les scores en haut, ce ne sera pas une série d'unités spéciales parce que les deux équipes sont vraiment... mauvaise en unité spéciale. Les deux sont à peu près à 17 % en powerplay et 77 % en piqué, largement en dessous des 100, de la moyenne de 100. Donc, c'est deux équipes qui sont parmi les moins bonnes en situation spéciale. Par contre, Davos, excellent devant la cage, 10,8 %. C'est la meilleure équipe, c'est l'équipe qui a le plus de réussite, le pourcentage devant la cage de réussite. Au niveau des défenseurs, c'est l'équipe Davos qui a eu le plus de buts provenant des défenseurs. 36 buts ont été marqués par l'ensemble des défenseurs de l'équipe. C'est énorme. Et puis, du côté de Lausanne, on peut mentionner aussi qu'on a beaucoup de profondeur au niveau des joueurs suisses. Et il y a quand même pas mal de joueurs, 9 joueurs de Lausanne qui ont plus de 20 points, qui ont cumulé plus de 20 points. Le meilleur marqueur de cette équipe-là, c'est Dustin Jeffrey avec 35 points. Il n'est même pas dans les 20 meilleurs marqueurs de la Ligue. Donc, Lausanne a manqué de punch à l'attaque. Ça a été réparti sur plusieurs joueurs, disons, on va dire comme ça. Edel McTavish, c'est peut-être l'interrogation aussi à Doug Boulanger. Lausanne est l'équipe qui a changé son coach, j'allais dire, au dernier moment, avec peu de choses près, hein, avec le remue-ménage de ce qui est en train de se passer en coulisses. Apparemment, il se passe beaucoup de choses en coulisses. On n'a pas le sentiment véritablement que... on attaque ces playoffs d'une manière sereine, finalement, du côté de Lausanne. Bon, c'est sûr qu'au niveau de comment ça se passe, Lausanne a été en dents de scie toute la saison. Ça n'a pas été une grosse saison pour eux. Moi, je donne avantage quand même au niveau des gardiens de but à Lausanne, au niveau de la défense aussi, mais puis au niveau de l'attaque. Donc, je pense que malgré tout, Lausanne devrait être capable de passer Davos là-dessus. Puis, donc, ta prédiction, c'est Lausanne va gagner cette série-là? Moi, j'irai avec Lausanne pour cette série. En combien de matchs? Ah, ça, je dirais en... T'as le choix, hein? C'est 4, 5, 6 ou 7. Hein, j'irai en 6. Je vais être prudent. Non, c'est peut-être 3, parce que j'aurais peut-être un je vais être prudent, je vais aller en 6. En 6. Marc, oui. Alors, Lausanne n'a jamais trouvé de rythme pendant toute la saison. Ça a été denti, très, très fébrile ou très bon. Donc, ça a été... Il n'y a pas eu de niveau... solide avec une base et tout qui a pu durer sur quelques matchs. On les attendait tout en haut parce que c'est quand même des équipes... Sur le papier. Sur le papier. Nous, on les avait mis pas loin de tout en haut. Hein. Oui, on les voyait là. On va s'inventer là, mais... Oui, mais
c'est là que Davos, pas du tout. Alors, on les voyait plus tout en bas. Mais... Davos a fait un gros travail, une équipe solide qui patine, qui est vive, qui est rapide. Bien sûr, ils ont des joueurs qui se pointent un peu plus, peut-être, mais ils ont quand même un spectre assez large de joueurs performants qui sont capables à eux-mêmes de décider des matchs. Bien sûr, les étrangers, mais ils ont quand même justement également un Aigli qui est actuellement en feu depuis le début de l'année 2020. Et je pense que par rapport à la stabilité des résultats, moi, je mets plutôt Davos. Du côté de Davos, moi, je suis plus inquiet pour le box-play qui était affreux toute la saison. Puis au niveau du... vraiment dans le goal, je pense qu'il y a encore une question à ce niveau-là qui n'est pas réglée. C'est jeune, puis... faudra suivre. Mais Tobias Stéphane, vous vous rappellerez, messieurs, en play-off, ça n'a jamais été ça. On le dit année après année et ça se vérifie au niveau statistique. Il y a un gars que dans les moments clés, il y a toujours un petit truc, il ne connaît pas ses meilleurs moments, etc. C'est ce qui va nous faire mentir cette année. On verra. Moi, je ne me prononce pas. Je ne sais pas trop qui va gagner. Messieurs, tiens, on va continuer de parler de gardien. J'en suis sûr avec la série suivante, puisqu'on va parler de Zoug face à Fribourg-Gotteron. Là, sur le papier, j'ai envie de dire, Stéphane, il n'y a pas photo, quoique en saison régulière, c'est la parité. Oui, c'est la parité en saison régulière. Même Fribourg a obtenu plus de points. Qu'est-ce qui peut parler en faveur, évidemment, de Zoug? Ben, c'est leur, en défaveur de Zoug, c'est leur fin de saison. Ils ont perdu 4 des 5 derniers matchs, un peu moins bons. Une équipe qui est relativement équilibrée. On parle peut-être de lacunes en défense, mais on a Giannoni qui est transcendant depuis les 10-15 derniers matchs, qui est revenu au niveau où on l'attendait. Ça reste une équipe redoutable en attaque, en supériorité numérique. On peut changer les matchs sur un rien. Du côté de Fribourg, Béra est certainement un plus. Ça a été excellent. On aura un duel de gardiens. Regardez, on a les statistiques des gardiens tout en bas. Deux excellents gardiens. Et du côté de Fribourg, il y a un cruel manque de profondeur. On l'a dit depuis le début de l'année. On a accroché la 8e place in extremis, et c'est surtout la ligne de centre qui fait un petit peu peur par rapport à celle de Zoug. Desharnais, Valzac sont des joueurs de centre naturel, mais vous jouez avec un Schmutz et un Sandro Schmitt au centre. Ça manque cruellement de profondeur, d'expérience pour Sandro Schmitt. Je ne veux rien lui enlever aux jeunes. Mais quand même, ils ont fait des miracles avec la ligne de centre. Valzac a été blessé un moment. Boychuk joue au centre. Voilà. Il y a quand même des faiblesses du côté de Fribourg. Des faiblesses du côté de Fribourg-Gotteron. Puis on peut se poser la question aussi, Doug Boulanger, est-ce que le trio magique qu'on évoquait il y a de ça quelques instants avec l'équipe type là, Dubé, Rosa et Simpson qui ont fait des miracles au niveau du nombre de points par match sur la fin de la saison pour se qualifier, est-ce que ça peut tenir en PE? Le discours peut tenir? Est-ce qu'on peut changer? Est-ce qu'on part avec le même plan? Un des points tournants, on l'a vu à la fin de la saison, c'est s'ils réussissent à garder les matchs serrés à bas score. Parce que je pense que Fribourg, tout au long de la saison, c'est pas une équipe qui a marqué beaucoup de goals. Donc ça va être important que Béra ferme la porte de ce côté-là. Si j'ai à me prononcer, peut-être un léger avantage pour Giannoni, qui a un historique incroyable des dernières années au niveau des playoffs. Il finit la saison en force, même si on a deux gardiens qui ont, je dirais, mal débuté au début du championnat. Là, ça s'est clairement replacé. Puis c'est grâce à eux que leurs équipes, je pense, en grande partie, qui sont rendues là à ce point-ci de l'année. Quoi. Marc Leuenberger, Zoug a échoué la saison passée. Ils ont dit, OK, il nous manque quoi? Un gardien pour gagner un titre, un sniper. Ils ont signé les deux plus gros contrats peut-être de joueurs suisses à l'intersaison. Kovar aussi, t'aurais... Kovar aussi, mais t'es d'accord, Kaufmann et Giannoni, c'est du lourd. Et chercher le meilleur buteur de la saison passée, et on a cherché le meilleur gardien. Donc logiquement, l'objectif, c'est le titre, le quart de finale, ça devrait être... Oui, le seul problème, c'est qu'entre l'attaque et la défense ultime, qui est le gardien, il y a une partie entre. Exactement. Et celle-là, elle manque cruellement. Donc si un Diaz, blessé ou malade ou pas performant, ça change toute la défense. Qui devrait être suspendu, d'ailleurs, à mon avis. Avec le coup qu'il a donné, coup qu'il a donné à Predretti, il s'en est passé en dessous de la table, on ne sait pas pourquoi. Parce que les caméras n'étaient pas très bien placées. Il aurait dû être suspendu, d'ailleurs. Mais je pense que c'est un peu ça leur problème à Zoug. Début de saison compliqué, ils sont bien partis, ils sont retombés dans un trou. Et maintenant, bon, 4 matchs qu'ils ont perdus, les derniers 4 matchs. Fribourg, ça a été le contraire. Très difficile. Puis en mieux depuis, je dirais, deux mois où on a repris. Mais je ne sais pas si ça va tenir contre un Zoug en ces matchs. Ça peut peut-être tenir un match, mais la profondeur du banc, la profondeur des joueurs, Zoug peut jouer physique, ce que Fribourg, pas forcément. Donc il y aura une grande différence qui va entrer là-dedans.
Et les gardiens, je ne veux pas comparer parce que les deux sont capables de tout dans la forme qu'ils ont actuellement. Je pense que c'est surtout le banc qui va faire la différence. Est-ce que Fribourg peut décemment battre Zug 4 fois en 2 semaines? Non. Peut-être en une semaine et demie même. C'est une lourde commande. C'est compliqué. Ça sera compliqué. On va vendre du rêve, on va dire on a 2 excellents gardiens, ça va être des scores serrés. Et puis le premier match, tu vas finir 7-4. Tu sais comment on est mauvais dans les prédictions, on l'a vu en début d'année, on s'est trompé. Genève Servette Bienne, le 3e quart de finale qu'on va passer sous la loupe. Et là aussi, ça va être très intéressant. Deux équipes qui ont joué à quoi? Un petit peu au chat et à la souris pour savoir si elles allaient s'affronter dans les dernières journées de play-off. Ouais. Ça faisait 4, 5, 3, 6. Finalement, ils se sont rencontrés. Mais c'est contrairement à la série de Davos et Lausanne où les unités spéciales, c'est pas ça. Là, on a le meilleur piqué de la Ligue du côté de Genève Servette. C'est du 87,6. C'est astronomique. On parlait de 90 à Liège, mais 87 en Liga, c'est du jamais vu aussi. Et en power play du côté de Bienne, bien, c'est du 27,5. C'est hors norme. C'est totalement exceptionnel. Plus de 25 dans un championnat de ce niveau, c'est du jamais vu. Un petit avantage au niveau des étrangers. Peut-être du côté de Genève, ils sont hyper performants. Wingles aura peut-être la chance de... On a reporté ça, peut-être Wingles va faire un retour. Au niveau des engagements, on est excellent du côté de Genève. Fair est à 61 et Tanner Richard est à 63. C'est la meilleure équipe de la Ligue à presque 54. Donc, tout ça, c'est avantage à Genève. Par contre, Bien est une équipe qui a beaucoup de réussite, qui a le compas dans l'œil. Deuxième meilleur au niveau du pourcentage de réussite à 10,5 durant l'année. Évidemment, Jonas Hiller, c'est Jonas Hiller. On va en parler d'ici quelques instants de Jonas Hiller. Doug Boulanger, ce Genève Servette à l'image de Davos, on ne les attendait pas là. Il réalise une saison exceptionnelle. Nouveau coach, bonne mentalité, bonne gestion. Alors, un peu de blessés enfin, mais sinon quand même assez stable par rapport à d'autres saisons. Situation spéciale, on va y revenir. Cette équipe-là qui réussit autant, hein, qui est constante finalement pendant le championnat, est-ce que ça va continuer finalement en play-off? Est-ce que le grand play-off, on dit toujours c'est une nouvelle saison qui commence, il faut se mettre sur le grand play-off? Ben, moi, je pense que oui, pour l'unique raison qu'ils ont beaucoup de gars qui sont capables de jouer très dur. Je pense à des Fritsche, à des Winnick, à des Vic, à même des Berton, des Douais. C'est des gars qui sacrifient leur corps soir après soir puis qui sont capables de vraiment, au niveau des players Richard, qui sont capables de tourner ça. Puis je pense là-dessus, ils seront à surveiller de ce côté-là. Ça veut dire que le côté « j'arrive à me faire mal », c'est pas le cas à Bienne, finalement, Marco Hüttenberger. C'est une équipe qui est un peu plus soft, basée sur la vitesse. Peut-être moins physique. Alors, se faire mal, ils se font, parce qu'il y a des joueurs qui se couchent, ils arrêtent les pucks, ça, Bienne le fait très bien. Par contre, c'est le jeu physique. Ça, donc, le long des bandes et comme ça va être compliqué, parce qu'ils ont quand même des joueurs, les nouvelles recrues pour cette année, c'est des joueurs surtout techniques, rapides, vifs, et pas du tout dans le jeu physique, plutôt dans l'espace. Donc, dès que ça va dans les bandes, ça va être compliqué. Genève joue dans les bandes, vont gratter, vont les chercher, Bienne moins. Bienne a besoin de place, d'espace, puis de faire aller le puck. Et la différence se fera là. Comment est-ce qu'ils vont réussir à pouvoir, Bienne, utiliser l'espace? C'était un peu la même configuration contre Lugano il y a 2 ans. Bien a pris l'avantage en jouant, en utilisant les espaces. Et tout à coup, Lugano a commencé à jouer physique. C'était le changement lors d'un match. Maxime Lapierre. Maxime Lapierre. Puis c'était un but en infériorité de Reuil. Ouais, et toute la série a changé. Et ça a commencé à jouer physique. Et ça, c'est, à mon avis, le point faible du HC Bien. Donc, ce que tu es en train de dire, c'est pas tément. Si vous sortez les épaulières puis les coudes, vous allez gagner la série. Ils jouent comme ça, de toute façon. S'ils peuvent continuer à utiliser le jeu comme ça, mais après, il faut aussi couper les lignes de passe et le jeu de Bienne, parce qu'en général, il n'y a pas qu'une équipe qui a le puck. Ouais. Ben, si on veut, il ne faut juste pas oublier, dans l'ensemble du championnat, Bienne a été une équipe souvent, des fois, en début de match, où ils étaient un peu endormis, ils ont réussi à contenir puis à tourner les matchs plus tard. Donc ça, c'est une chose qui va être intéressante à suivre au niveau des... dans les playoffs, c'est de voir comment Genève réussit à prendre le momentum et à garder le momentum. Est-ce que Bienne va être capable de leur casser leur rythme et de les endormir un petit peu? Si au niveau des stats avancées, le Corsi relatif, de temps de possession, etc., toutes les hypothèses sous-jacentes à ces stats avancées, Bienne est l'équipe la plus dominée du championnat.
qui a le moins souvent le puck sur sa canne, qui laisse volontiers le puck à l'autre équipe, qui subit le jeu, mais qui est drôlement opportuniste et qui réussit à gagner des matchs tout de même. Oui, parce qu'une fois qu'ils ont le puck, après, ça va très vite. Ils sont très rapides dans cette transition. Ils trouvent les espaces. Puis, ben justement, hein, ils sont quand même 10.5 en réussite. C'est énorme. La moyenne est légèrement au-dessus de 9. Donc, quand vous êtes au-dessus de 10 de réussite sur une saison, c'est astronomique. Grosso modo, il faut avoir un bon gardien et être doué dans les situations spéciales, et notamment au power play. Bien fait ça très bien, Stéphane. Et tu voulais revenir justement là-dessus. Oui, on va vous parler de trois situations, de trois jeux. D'abord, on va vous parler d'Ullstrom. On est allé chercher pour jouer quelques matchs ici et là. Il a récolté 16 points en power play cette année, 7 buts, 9 passes sur ses 30 points. C'est le seul joueur de l'équipe qui a plus d'un point par match. Ullstrom, quand même, on va regarder d'abord où il joue en power play et comment il a obtenu ses points. On va aller sur la tablette, on va analyser ça ensemble. C'est parti. Regardez, c'est un grand classique. Hein? Il va jouer ici, il est en bas ici, votre écran, Ullstrom. Il va se présenter sur son côté fort, évidemment. Il est gaucher. Il va être sur son côté fort, regardez. Il va transporter la rondelle. Regardez le timing. Il est en zone neutre, carrément. Il se rend disponible. La passe arrive directement et tout l'espace qu'il a. Il a un excellent tir. Regardez, il n'y a personne devant le gardien. Le gardien est bien au-delà de son demi-cercle. Il réussit à le battre assez facilement. Donc, Ullstrom, encore une fois ici, c'est un autre match avec les contributeurs au terrain. Regardez, Fuchs est ici, lui, sur le mur, comme on appelle, à droite. Un bon échange de rondelles. Fuchs qui fait un excellent travail en power play cette année. Encore une fois, on va lui remettre la rondelle sur son côté fort. Il est venu faire son loop très, très haut. Regardez, tout le temps, ça lui donne beaucoup d'espace. Tir frappé, demi-frappé. Très, très précis. Ullstrom, messieurs, a été une des armes secrètes. Peut-être parler aussi de Jason Fuchs, qui, lui, est peut-être un des spécialistes à attirer les joueurs. Donc, on va en parler juste après. 18 assists en power play de Jason Fuchs cette année. Wow. Mais Ullstrom, c'est la bonne pioche quand même, Marc Hönberger. On va le chercher parce qu'il est disponible sur le marché. On lui joue la Ligue des champions. On dit, de toute façon, on aura besoin de joueurs pour faire le tournus. Puis finalement, au moment où on lui dit, allez, hop, tu joues parce qu'il y a des blessures, bah, il fait un job incroyable. Oui, il fait absolument son job. Et puis, on sait, donc, ils savent les qualités. Il l'utilise exactement comme il doit. Il le joue avec une sorte de delay dans le power play pour se faire oublier. Ah, il n'y a plus personne là-bas. Ouais. Alors, on se fait attirer par le puck et il arrive dans un espace. Et c'est vrai qu'il a un sacré shoot. Ouais. Sacré shoot. Allez, on continue d'analyser ce power play, Stéphane. On va parler de Raya Lapouliotte, évidemment. Qui d'autre en power play? On va analyser ça ensemble. Regardez, il joue d'une façon... Raya Lapouliotte est toujours, lui, du côté droit. Un peu comme Fuchs. Les deux sont interchangeables. Ils jouent au même poste. Et vous avez surtout un Pouliot qui joue, lui, devant le but. Oui, c'est un gars très habile, mais il joue devant le but. Vous allez voir, on trouve plusieurs façons de marquer. Et bien, il utilise beaucoup l'arrière du filet. Vous allez le voir. Pouliot va se diriger derrière le but, donner une solution comme Wayne Gretzky le faisait à l'époque. Regardez bien, il va être derrière le filet. Et là, Raya a deux options. Soit il feinte, évidemment, il va feinter de monter le puck en haut, il va le remettre en bas. Et depuis l'arrière du filet, ben, on a tout devant soi. Les deux défenseurs, s'ils n'ont pas la canne dans la ligne de passe, Pouliot est très, très malin. Brunner est devant le but. Petite passe, un tir sur réception. Que c'est facile quand c'est bien exécuté, évidemment. Donc, Raya Pouliot, très dangereux. Encore une fois, vous avez un Pouliot qui va traîner devant la cage ici. Là, on va récupérer le puck un peu chanceusement, mais il a la vista, Pouliot. Il sait qu'il doit repérer. Regardez où est notre ami Raya. Là, il est ici. Peut-être qu'on va avoir la rondelle. Il n'est pas en bas. Il est très, très haut. Il va se présenter au bon moment. Et Pouliot va récupérer la rondelle. Une petite passe facile pour Raya là, qui a un tir, mais incroyable. Demi-frappé aussi, pleine lucarne à courte distance. Il passe un petit peu de talent quand même, Raya là. Oui, absolument. Mais là, on voit, hein, donc... Des snipers, des buteurs. Raya un peu moins ces derniers temps, mais ça va être des points clés dans ces playoffs. Effectivement. On va regarder notre troisième équipe, finalement, de power play. On parle de Fuchs et de Radgeb. Radgeb, qui est un élément clé aussi. Fuchs, c'est 20 points sur 35 cette année. C'est le deuxième marqueur d'équipe, hein, Fuchs, cette année. 20 points, 2 buts, 18 à 6 en power play. On l'a mis là. Ici, regardez, il est en haut de votre écran. Il occupe le même poste que Raya. Là, vous allez voir, on est très, très habile. Regardez, Radgeb va lui remettre le puck ici. Pivot, il lui remet la rondelle. Et là, clairement, on va créer un 2 contre 1 en haut contre le joueur de Langnau. Il pourrait éventuellement essayer de le battre de vitesse. Il va y aller d'une passe levée assez dangereuse, mais quand même, petite passe levée ici pour Radgeb. Petite jury, il est très habile pour ça, pour les passes levées, Jason Fuchs. Tire sur réception de Radgeb. On a marqué beaucoup de buts de cette façon-là. Regardez aussi comment il peut attirer la défensive en bas.
On va lui remettre le poids qui va descendre, il descend, il descend, il descend. Il va attirer le joueur de Rapperswil vers lui. Il va glisser le puck entre la canne et les patins du joueur. Très habile. Et là, il y a un boulevard, évidemment, pour Radgeb. Comme il y a beaucoup d'espace, ce joueur de Rapperswil doit tricher sur lui et ça va libérer Ria ici en bas. Regardez un petit peu plus loin. Radgeb, feinte de shoot. Beaucoup d'espace pour Radgeb. Et là, il a clairement une situation de surnom. Ria va y aller par une passe astucieuse. Il va viser la canne de son coéquipier qui va faire dévier. Très bien orchestré. Tout ça à la base parce que Radgeb et Fuchs ont su attirer les joueurs sur un côté. Peut-être là, pour les gens à la maison, une petite particularité du powerplay de Bienne, c'est que le bumper, donc le joueur qui joue généralement au milieu, est toujours sous les points d'engagement, donc est très bas. Donc, on se ramasse presque à deux joueurs devant le goal. Puis, ce que ça fait, ça crée beaucoup, ça amène le box à descendre très bas. Puis, quand on remonte le puck en haut, ça donne du temps en plus pour les shooters d'être capables d'allumer puis de bien tirer. Moi, je ne suis pas devin, mais je pense que dans le vestiaire de Genève Servette, cette séquence-là ou ces séquences-là, on en a déjà étudié depuis quelques jours. On les connaît déjà. On va parler maintenant du box-play. Oui, du box-play de Genève. Écoutez, du côté de Genève, on tourne avec trois paires d'attaquants sur le box-play essentiellement. C'est pas à peu près toujours les mêmes. Richard et Rod jouent ensemble. Winnick Miranda joue ensemble et Berton Doué, qui est la troisième doublette ou duo finalement en infériorité numérique. Et on fait un excellent travail et on joue un box play très, très agressif. C'est-à-dire qu'on ne laisse pas le temps à l'autre équipe de s'installer finalement. La première séquence, c'est lorsque l'équipe balance le puck au fond. Vous allez voir comment on réagit. On fait un rim, donc on balance le puck au fond, le puck fait l'arrondi. Vous allez voir, le défenseur ici va y aller tout de suite. On va tout de suite mettre de la pression sur le porteur du puck. Ça, c'est assez classique en entrée de zone. Lorsque le puck est le long de la bande, l'autre équipe n'a pas pris le contrôle, on doit leur mettre la pression. Mais souvent, pour dégager la pression, l'équipe fait un autre rim, un double rim. En général, les joueurs en défensive ne suivent pas sur le deuxième parce qu'ils ont tellement pressé sur le premier. Mais là, au contraire, regardez Winnick. Et tout de suite là, il sait exactement ce que l'équipe va faire, le double rim. Et il va arriver, il va mettre la pression sur le défenseur. La majorité des équipes relâchent à ce moment-là. Lui va y aller de bon cœur, va même donner une mise en échec, il pourra dégager. Une autre situation, encore une fois, on va lancer le puck au fond. On va mettre sous pression les défenseurs. Mais regardez, Winnick, il va venir tout de suite. Il n'est pas question de s'arrêter dans le slot. Il vient mettre la pression, évidemment, soutenir son défenseur. Du côté de l'angle, on est obligé de faire un rim, encore une fois, un puck qui longe la bande. Et on ne va pas se gêner, on va tout de suite aller mettre de la pression sur ce joueur-là. On ne les laisse pas s'installer. Regardez, on sort volontiers, même à deux joueurs, parfois du même côté. Et Jacques May va pouvoir dégager. Ça, c'est une fin de période. Diaz va mettre le puck à son coéquipier. Un rim, encore une fois, on met le puck le long de la bande. Regardez, les joueurs de Genève sont relativement loin de cette rondelle-là. On va y aller de bon cœur, regardez bien. Le défenseur va y aller. Et Winnick, lui, regardez, il va se lancer tout de suite. Toc, on va se lancer, on va mettre beaucoup, beaucoup, beaucoup de pression sur le porteur de la rondelle qui cafouille un petit peu et on peut finir en beauté. Donc, on ne laisse pas la chance à l'autre équipe de s'organiser. On ne laisse pas de l'agressivité, Marc. C'est la clé du box-play, en tout cas du côté de Genève. Oui, la manière dont il l'applique, c'est la clé. Ouais. Mais c'est aussi à haut risque. Si un joueur ne suit pas ou ne fait pas correctement, n'est pas coordonné, c'est justement là où on crée les ouvertures puis les surnombres à l'adversaire. Ça prend beaucoup d'énergie et beaucoup de discipline de la part des quatre. Tu as un deuxième exemple à me donner? Oui, on va parler encore une fois, Winnick et Miranda, même aux engagements. En infériorité numérique, si vous perdez un engagement clean, clairement, souvent les joueurs se disent « OK, maintenant, on relaxe, on ne met pas de pression ». Regardez à quel point on met de la pression rapidement. On a perdu l'engagement. Winnick a perdu clairement l'engagement. Il pourrait se dire « OK, on se place passif ». Non, non, il va y aller de bon cœur. Il va aller tout de suite sur le défenseur. On met de la pression. Encore une fois, il va suivre ce joueur-là. Lui, il met le puck le long de la bande. Il se retourne, puis il va descendre même en bas des hash marks, comme on dit. Encore une fois, un retour. Beaucoup, beaucoup de pression. Miranda, regardez, Miranda va quitter sa place, lui. Il va mettre de la pression. Winnick va revenir de bon cœur. Regardez, Winnick est là. On le délaisse volontiers, ce joueur-là, pour les forcer à jouer sur un côté de patinoire. Ça marche bien. Ça, c'est lors du match en Brie. Encore une fois, Winnick a perdu son engagement clairement. Il va se lancer à l'abordage. Regardez, tout de suite, il est là. Miranda va venir le soutenir. Mais beaucoup de pression sur le joueur le long de la bande. Le joueur au milieu. Le bumper est sous pression aussi. Le bumper, évidemment, Marc, c'est celui... Le bumper pour Ambry, c'est celui qui est au milieu, sur lequel le puck rebondit. On met énormément de pression. On force l'autre équipe à se compromettre et on peut dégager relativement facilement. Donc, pas question de laisser l'autre équipe jouer, à moins que ce soit vraiment, vraiment clair. On voit rarement un box play passif du côté de Genève. Doug Boulanger, meilleur power play face au meilleur box play, qui gagne en général?
dans une série de playoffs, je mettrais l'accent sur le box. Je pense que Genève, ce qui fait leur particularité, c'est que dès que le puck est pas sous contrôle, dès que l'adversaire n'a pas le puck sous contrôle, ou dès qu'il y a un loose puck, il y a trois joueurs qui sortent, qui déclenchent en même temps, puis c'est excessivement difficile de jouer, lire le jeu, puis s'ils sont capables de le faire, ben je pense qu'ils peuvent causer des surprises. Lorsqu'il y en a un qui va, les deux autres, tout le monde doit suivre. Parce qu'il y en a un qui va tout seul, il va se faire battre à deux contre. C'est ça. Coordination. Mais tout le monde déclenche en même temps. Exactement, la communication. Messieurs, dernière série, parce qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps à évoquer, c'est Zurich face à Lugano, peut-être la plus déséquilibrée finalement sur le papier. Stéphane, c'est le vainqueur de la saison régulière contre un des miraculés Lugano. Par contre, Lugano a eu du succès contre Zurich cette année, 3 victoires contre 1. Ce qui peut parler à l'avantage de Zurich, c'est que c'est l'équipe Zurich qui a le meilleur volume de jeu, qui domine ses adversaires, presque 34,6 tirs par match en moyenne. La deuxième équipe à ce chapitre, c'est Berne avec 30,3 tirs par match. Tous les autres sont en dessous de 30 tirs, donc c'est une équipe qui tire beaucoup, qui domine, qui a beaucoup de temps de possession. Sa première ligne, Rowe, la ligne de Garrett Rowe avec Pius Suter et Baptiste Berger est transcendante. On manque cruellement de leader du côté de Lugano. Par contre, on est une équipe disciplinée, c'est l'équipe la moins pénalisée de toute la ligue cette année du côté de Lugano. Le meilleur joueur à l'attaque, c'est McIntyre, 22 matchs, 18 points. Ça a été un bon transfert. Évidemment, du côté de Zurich, beaucoup de joueurs à surveiller, dont Pius Suter. Pius Suter, bien sûr, le meilleur premier bloc de la Ligue, Marco Hülkenberger. Zurich à l'ambition, Zurich favori pour le titre? Oui. Pour moi, Zurich, autant l'année passée, c'était catastrophe, autant cette année, on n'a rien entendu d'eux. Ils ont joué d'une manière régulière, stable, toute la saison. Ils n'ont pas eu de hauts pics ou de grosses baisses. Toujours disciplinés, on n'a rien entendu. Je pense que c'est une équipe qui est mûre, qui est stable. L'entraîneur, ils sont allés le chercher pour devenir champion. Pour ça. C'est pour ça. Et il a fait son job. Parce que quand je vois cette équipe, elle n'est pas spectaculaire. Ils ont des super joueurs, c'est clair. Mais elle ne fait pas d'étincelles. Elle est bosseuse, travaille sur un rythme comme un tracteur, fait les sillons. Et puis après ça patine, tous les lignes, ça patine. Il y a beaucoup d'intensité dans les matchs, beaucoup de vitesse à cette équipe. La question, c'est au poste de gardien, on met qui finalement, Doug? Le meilleur. Ouais, toujours. Écoute, ils sont allés chercher Ortio au banc parce qu'il n'était pas certain, je pense, au niveau de Fleuler. Là, Fleuler a fait le job sur la fin de la saison. Donc, ils ont un plan, une roue de secours si quelque chose ne va pas. Mais je regarde sur la fin du championnat, Zurich a tellement été bon. Un des derniers matchs référence a été contre Zug. Ils les ont survolés, dominés, ils les ont surclassés, même, je dirais. Puis ça va être, je pense, Zurich, franchement. C'est l'équipe favorite. On va voir ça. On espère voir ça, messieurs, parce qu'on croise encore les doigts. On devrait évidemment avoir la réponse la semaine prochaine. Ah, c'est vrai qu'on ne sait pas encore si ça va jouer. J'avais oublié. Moi, ça faisait une heure qu'on parlait de hockey, puis j'étais dedans, là, j'avais oublié que... On t'a oublié que... Ah, j'étais dedans, là, j'étais à fond, là, j'étais prêt. On va remercier nos invités d'avoir participé à ce Puck & Goal spécial. Merci beaucoup, Marco Hülkenberger. Merci, Doug Boulanger. Merci. Stéphane, on espère se donner rendez-vous, bien sûr, la semaine prochaine. De toute façon, l'actualité du hockey continue. Il y aura la finale de MySports League qui est prévue pour les 12 et 14 entre Martigny et Bâle. On vous fera suivre cette série d'une manière ou d'une autre, de toute façon. Et puis, suivez-nous bien sur les réseaux sociaux pour avoir toutes les dernières informations quant à la tenue des playoffs ou pas. Merci à toute l'équipe technique. Très bonne fin de soirée à tous. À la semaine prochaine. Bye bye. À bientôt, on espère.